Alors nous sommes dans Luc chapitre 4. À partir du verset 1er. Quelqu'un veut bien nous faire la lecture à chaque fois? Qui c'est qui a le micro pour nous faire la lecture à chaque fois là? Ça ne t'a plus. Il n'y a personne. Bon. Luc 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit en disant, Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alors le diable l'emmena sur une haute montagne, et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je le donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Elle sera à toi plutôt. Jésus lui répondit, Va arrière de moi, Satan, car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te portent sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus répondant, lui dit, Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Voilà, il s'éloigna pour un temps, parce qu'il revient toujours à la charge. Hein. Voilà, ça. Un petit temps de repli, et encore, et puis rebelote. Voilà, et donc nous parlons du gouvernement mondial. Alors, certainement, il y en a qui devaient s'attendre à ce qu'on parle de... Qu'on aille tout de suite dans Daniel, qu'on parle de bêtes, machin, tout ça, Rome, c'est ça. Hein? Comme d'habitude, et puis non, le Seigneur conduit les choses autrement. Et donc, Satan était là, dans le désert, avec le Seigneur, pendant 40 jours. 40 jours de jeûne et prière et 40 jours de tentation. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Satan voulait simplement le transformer, transformer Jésus-Christ en antichrist. Ce qu'il cherche. Il cherchait un antichrist. Et rappelez-vous bien, dans Genèse chapitre 3, au verset 15, après la chute de l'homme, Dieu disait, avait, n'est-ce pas, conféré ou libéré un certain nombre de malédictions, de paroles. De malédiction sur le serpent, disant, n'est-ce pas, tu seras maudit, et ensuite il dira à cet être hideux, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu écraseras son talon. Voilà. Donc, alors, il est question ici de deux postérités, la postérité du serpent, et la postérité de la femme. Et la postérité du serpent, bien sûr,
par excellence, c'est l'Antichrist, l'homme impie, le futur président du gouvernement, le futur président du monde qui va mettre en place le gouvernement mondial. Amen. Et Satan voulait justement, ici, dans Luc 4, Matthieu 4 également, faire de Jésus-Christ sa propre postérité. Celle dont il est question dans Genèse 3, 15. Pourquoi ? Regardez bien. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Quelqu'un va rapidement nous lire du verset 1er au verset 5, et surtout le verset 5. Apocalypse 12, verset 1. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer ses enfants, tels qu'elle aurait mis au monde. Son enfant plutôt. Son enfant, pardon. Et elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ok, vous vous rendez compte ici, mes amis, écoutez très bien. Pourquoi Satan va tenter Jésus-Christ? Eh bien, bien sûr, nous savons que c'est pour faire échouer sa mission, premièrement, mais aussi parce qu'il voulait un fils. Il voulait un fils, il cherchait un fils. Et donc, ce fils devait être le gouverneur de la terre, le roi de la terre, le roi des Nations Unies. Et c'est pour cela qu'il est allé voir Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Satan a réussi à faire tomber le premier gouverneur de la terre, Adam, et s'est dit, ben, cette fois-ci, je vais de nouveau réussir, et là, ben, il n'a pas pu. Et selon ce passage que nous venons de lire, Jésus, qui est l'enfant dont il est question hein, ici, est appelé à gouverner. Vous voyez le verset 5 ? Et elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Vous voyez ? Gouverner. Et alors, on va d'abord rapidement brosser un peu, parler un peu du gouvernement de Jésus-Christ, le gouvernement mondial que Jésus-Christ va établir sur terre. Vous savez, quand on parle de la fausse monnaie, on doit aussi parler de la vraie monnaie, à chaque fois. C'est l'équilibre. On parle des faux prophètes, il faut aussi parler des vrais prophètes. Il ne faut pas seulement parler des faux prophètes, ceux que, comme certains le font, hein, sur leur canapé, dans leur cuisine, dans leur voiture, et ils ne parlent jamais des vrais. Alors, du coup, ben, tout le monde est diabolisé, et eux, ils sont parfaits. Voilà, c'est bon ? On peut continuer ? Gloire à Dieu. Ça vous intéresse ? Que Dieu soit béni. Alors, Jésus est appelé à gouverner. Donc, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement donc de Dieu et le gouvernement de Satan. Donc là, vous avez Jésus. Là, vous avez Satan. Voilà, deux gouvernements. Donc, le tout premier gouvernement, c'est celui d'Adam et Ève. Satan l'a vaincu, ça on le sait. Et ensuite, Dieu se dit, je veux m'incarner, je veux devenir homme pour
restaurer le gouvernement que Adam avait perdu. Et c'est pour cela qu'on nous dit que Jésus, quand il est né, Satan voulut le prendre, le tuer déjà, pour commencer. Vous vous rappelez? Il s'est servi de qui? Hérode. Voilà. Parce que les mages arrivent à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, ils posent la question à tout le monde, aux anciens, aux scribes, où est le lieu de la naissance du roi des Juifs? Alors là, ça pose un problème à Hérode. Comment ça se fait? Le roi, il est né pour régner. Alors là, Satan s'est dit, non, il faut. Il a utilisé Hérode pour tuer tous les enfants de ce roi à 2 ans qui était né, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et là, le Seigneur s'est sauvé en Égypte. Et là, Jean voit cette vision-là. Il voit comment le dragon voulait tuer cet enfant. Et on nous dit que cet enfant était enlevé au ciel, n'est-ce pas? Enlevé au ciel. Et le dragon va poursuivre la femme qui avait donné naissance à cet enfant. Bien sûr, la femme ici, c'est Israël. Cette femme n'est pas du tout la mère, Marie, la mère de Dieu, comme beaucoup le disent, comme les cathos le disent, c'est faux, c'est Israël. Et l'enfant ici, il y en a qui disent, non, c'est les super chrétiens, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. L'enfant ici est appelé à gouverner le monde. C'est Christ qui est appelé à gouverner le monde. Amen. Voilà. Et là, on nous dit, donc dans Apocalypse 12 ici, et elle accoucha, donc je relis, et elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. On dit toutes les nations. On n'a pas dit quelques nations seulement. Toutes les nations. Voilà le gouvernement de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, donc le royaume de 1000 ans, qui va être mis en place sur terre. Alors, pour votre information, gouverner ici, c'est quand on lit ça en français, bon, il y a des choses qui peuvent aussi nous échapper. En fait, ça dit beaucoup. Gouverner ici, dans le grec, hein, signifie, premièrement, nourrir. D'accord? Nourrir. Donc, vous notez, c'est important. Et ça, c'est un des rôles d'un gouvernement. C'est de nourrir sa population. Et non de l'affamer. Donc, je vais rentrer dans les détails aujourd'hui un peu, là. C'est important. Donc, voilà, donc je relis encore, cet enfant est appelé à gouverner, Voilà, nourrir. Deuxièmement, soigner. D'accord? Et ensuite, protéger ou garder. Donc nous parlons, je vais brosser comme je vous l'ai dit rapidement, le gouvernement de Yeshua. D'accord, c'est important. Voilà. Donc ça vient de poimaino. Hein? Poimaino, qui a été traduit par gouverner. Poimaino. Et donc ce terme grec signifie aussi hein, donc nourrir, soigner, et garder. Voilà ce qui va se passer dans le gouvernement de Yeshua. Et c'est ce qui doit se passer dans un gouvernement. Et cet enseignement, je crois, peut aussi aider ceux qui gouvernent là, parce que c'est important. Un bon gouvernement est un gouvernement qui nourrit sa population. C'est-à-dire qui aide sa population à se nourrir. N'est-ce pas? Voilà. En encourageant justement l'agriculture, le travail. En trouvant des voies et moyens pour nourrir les gens. Et vous allez voir dans le gouvernement antichrist, les gens sont affamés. Et c'est seulement les dirigeants qui s'empiffent, qui s'enrichissent, hein, qui s'empiffent, tout ça, qui volent, et le peuple est affamé. Donc ça, c'est le gouvernement antichrist. Donc on va parler de deux gouvernements, là, pour que vous ayez une bonne compréhension de, l'enseignement que Dieu veut nous apporter. Donc, premièrement, on nourrit. Deuxièmement, on doit soigner. Vous voyez? C'est-à-dire soigner le troupeau, littéralement. Soigner. C'est-à-dire, un gouvernement doit s'occuper de la santé de sa population. C'est important. Vous voyez, on nourrit comme un enfant, avec le lait, tout ça là.
Et on va soigner l'enfant qui se blesse, il faut le soin. Voilà. Qui tombe malade, on doit le soigner. Et dans certains gouvernements, là, il n'y a pas d'hôpitaux, dans certains pays, il n'y a pas de soins, les gens meurent de maladies bénignes, tout ça. Hein? Comme dans... Il y a des choses, on va parler de certains. Moi, voilà. C'est pour cela, quand on me dit, ah, tel ministre qui vient, ça ne m'intéresse pas. Il peut rester dans son coin. Ça peut vous choquer, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que quand il faut se soigner, eux, ils quittent l'Afrique ou l'Asie, les pays pauvres, là, ils viennent se soigner en Europe. Voilà. Et tout le monde trouve ça normal. Hein? Qu'un président prenne l'avion pour venir se soigner ici en Europe. Et il laisse la population là-bas, alors qu'il y a l'or, le pétrole, le diamant, tout ça. Là. Voilà le gouvernement antichrist. Il n'y a pas de soins pour la population. Donc il n'y a pas seulement le soin, il y a aussi le fait de garder les brebis. Et là, il est question de la protection, la sécurité. Vous voyez, hein? Regardez, nourrir, ça c'est tout ce qui est alimentation, aliments, tout ça là. Et soins, tout ce qui est hôpitaux, n'est-ce pas? Garder tout ce qui est l'armée, la police, tout ça là. C'est ça le gouvernement. Et si vous regardez ces trois choses là, ben c'est ce que nous avons dans nos pays, hein? En France, ben les gens sont quand même bien nourris. Gloire à Dieu, dans certains pays, hein? Voilà. On bénit Dieu pour la France, on bénit Dieu pour le Canada, tout ça. Et les gens sont nourris, les gens quand même sont soignés. Il faut le reconnaître. C'est une grâce. Amen. Et vous savez d'où ça vient? D'où ça vient la sécurité sociale? Ça vient de la Bible. Ils sont inspirés de la parole de Dieu, pour votre information. Parce que dans la Bible, il y avait une dîme qui était réservée aux pauvres. Et les dîmes, c'était des impôts. Et les gens payaient la dîme. Hein, un impôt, et on mettait ça de côté pour aider les orphelins, les veuves, les étrangers. C'est ça. La sécurité sociale. C'est pour ça qu'on prélève l'argent sur vos comptes, sur nos bulletins, tout ça là, et sur le brut, et puis tac, on a le net, hein, et tout ça là, parce que ça va quelque part pour, n'est-ce pas, pour les soins, pour nourrir, pour les soins, pour nous garder. C'est pour ça que nous devons honorer, respecter les autorités, notamment la police, les gendarmes, parce qu'ils font un travail qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Les vrais, pas ceux qui violent les gens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Et regardez dans un gouvernement, s'il n'y a pas ces trois choses-là dans un pays, c'est que c'est le gouvernement d'Antichrist qui se met en place. Et donc, gouverner, ça vient de ce mot-là, grec, Poimaino, et Poimaino a pour racine Poimen. Et vous savez ce que signifie Poimen? Poimen veut dire quoi? Poimen veut dire littéralement pasteur ou littéralement berger. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que celui qui est appelé à gouverner doit être un berger, doit avoir un cœur d'un berger. Or, dans le gouvernement de l'Antichrist, nous n'avons pas un berger à la tête, mais nous avons un mercenaire, un loup. C'est pour cela que le Seigneur m'a conduit à faire ce parallèle-là entre ces deux gouvernements-là. Le gouvernement de Jésus-Christ, qui va être établi sur terre bientôt, et le gouvernement de l'Antichrist qui, n'est-ce pas, existe actuellement, depuis que l'homme est tombé. D'accord? Amen? C'est-à-dire les gens sont dépouillés en permanence. Dans certains pays, les populations sont massacrées par leur propre gouvernement, par la police. Voyez? C'est le monde à l'envers. Voilà le gouvernement antichrist. Donc, vous vous rendez compte que ici, là, dans le gouvernement de Yeshua, nous avons le berger qui prend soin du troupeau. C'est pour cela que le berger va nourrir les gens. Qu'il va soigner les gens, qu'il va garder, protéger le troupeau de dangers, des mercenaires, des loups cruels. Et pareil, pour savoir si une église est de Dieu ou pas, eh ben, si vous n'êtes pas nourri avec la vraie parole,
Si on vous vend la parole, ce n'est pas une église du Seigneur, il faut la quitter. Voilà. Soignez avec la parole et gardez. C'est terrible. Seigneur, sauve-nous. Parce que vous avez le berger. C'est pour cela qu'on nous dit qu'il va, il va paître les nations avec une, avec la, avec une verge de fer. La verge, ou encore littéralement le bâton de berger. C'est ça. Il a le bâton, il a la houlette. C'est ça le gouvernement du Seigneur. Donc pendant 1000 ans, nous serons nourris. D'ailleurs, Paul dit dans Éphésiens 5 que Christ nourrit l'Église et l'entretient. C'est pour cela que Pierre nous dit « désirer le lait spirituel comme de nouveau-nés ». C'est pour cela que dans Éphésiens 6, Paul dit « vous les pères, vous devez corriger les enfants, élever les enfants correctement », c'est-à-dire littéralement « nourrir jusqu'à la maturité ». Ah bah oui. C'est pour cela que dans la nature même, voilà, ça revient. Même dans la nature, on peut être enseigné. Les oiseaux qui vont chercher la nourriture pour les oisillons, pour les enfants, tout ça, leurs enfants. Ils vont les garder, les protéger. Voyez? C'est ça le gouvernement du Seigneur en gros. Donc pendant 1000 ans, nous allons être nourris, nous allons être soignés. D'ailleurs, la parole nous dit que les feuilles des arbres, les feuilles de l'arbre de vie seront utilisées pour guérir les nations. C'est écrit. Ézéchiel 47 en parle, Apocalypse chapitre, n'est-ce pas, 22 aussi en parle. Voyez. Donc c'est un gouvernement qui est le gouvernement messianique, le gouvernement de Yeshua, le royaume millénaire, ce sera comme, enfin, toute la terre sera la bergerie du Seigneur. C'est ça. Vous vous rendez compte? Nous sommes son troupeau. Comme il a dit lui-même dans Jean 10, 16, il y a un seul berger et aussi un seul troupeau. Voilà, ça c'est son royaume, son gouvernement. D'accord? Voilà. Donc vous voyez que cet enfant-là, selon Apocalypse chapitre 12, l'enfant qui est né, qui a été enfanté par cette femme, cet enfant est appelé à gouverner. C'est pour ça que Satan a voulu changer la vision du berger, de notre berger Yeshua, pour le transformer en antichrist qui dirigerait son gouvernement à lui. Voyez? Pour ne pas qu'il dirige les hommes avec amour, avec soin, avec attention. Non, non, qu'il soit un despote, un antichrist, un méchant, un dictateur. Parce que Satan savait que c'est lui qui doit diriger le monde. C'est pour ça qu'il a pris le Seigneur, il l'a amené sur une haute montagne. Et il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre. Il dit, voilà, si tu m'adores, alors je veux te donner toute cette puissance. Il a proposé quoi à Jésus-Christ? Il lui a dit, je te donnerai cette autorité. Vrai ou faux? On a dit hier, autorité vient de exousia. Exousia veut dire quoi? Autorité, hein, puissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai une grande autorité. Une grande autorité, voyez, pour gérer. Et on a vu que le mot autorité veut dire gouvernement, n'est-ce pas, hein? Voilà, exousia veut dire gouvernement. Donc il propose à Jésus-Christ exousia, autorité, ou encore il y a le gouvernement. Et Jésus a refusé. Il lui a dit, je te donnerai ce gouvernement-là, je te donnerai à gouverner toutes les nations du monde, parce que ce gouvernement-là, le gouvernement du monde, m'a été donné. Il a dit. Donc littéralement, ce gouvernement a été mis entre mes mains. Voilà. Paradidomi. Hein, paradidomie, c'est ça. Mettre entre mes mains. Voyez? Donc, il utilise le grec paradis,
do, mi. Alors, si vous enlevez para, le préfixe para, il reste didomi. Didomi veut dire donner. Donner simplement. Comme je peux dire, bon, je te donne ce feutre. Tu vois? Mais je ne vais pas forcément te le mettre entre tes mains. Je dis, moi, je te le donne, mais c'est à toi maintenant de venir te chercher. Tu vois? Voilà. Ben, tiens, je te donne 10 euros. Ok, ben, c'est sur la table, va chercher. Frère, ah, j'ai ce stylo, j'ai trouvé ce stylo. Ah, c'est à moi. Ah, ben, je te le donne. Tu vois? Ça, c'est didomi. Mais maintenant, paradidomi, c'est mettre entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai ça. Je viens et je te le donne comme ça. Je dis, tiens, entre tes mains, là, je te donne ça. C'est ce que Adam a fait avec Satan. Il a mis entre les mains de Satan son gouvernement terrestre. Mais Satan, quand il propose à Jésus-Christ de lui donner ce gouvernement, mais il n'a pas utilisé paradidomi. Il utilise didomi simplement. C'est un verbe faible, beaucoup plus faible encore que paradidomi. C'est-à-dire, il va pas te laisser gérer le monde comme lui, comme Adam l'a fait pour lui. Jamais, parce qu'il est tellement malin, on l'appelle malin. Il te donne, mais en fait, c'est lui qui tient. Et un jour, il te l'arrache. C'est pour cela, les présidents, la plupart, ils finissent mal. Les hommes politiques qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Qui vont faire allégeance à Satan, boire du sang, sacrifier des humains, ou qu'ils soient préfets, qu'ils soient, peu importe leur responsabilité, ben, ceux qui ont fait allégeance à Satan finissent toujours mal. Parce que quand Satan récupère leur pouvoir, son pouvoir là, eh ben, ils récupèrent et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, tout ça là, et les cousins, et les neveux, et les nièces, ça affecte toute la famille. Souvent, vous allez voir dans la famille, hein, il va y avoir des gens malades, des mongols, des gens qui ont un problème au niveau, des problèmes psychiatriques, tout ça là. Et ben parce que Satan récupère tout ça là. Alléluia. Donc, mes amis, donc on a compris que c'est Satan, lui-même il le dit. Il dit que celui qui est le gouverneur, n'est-ce pas, de toutes les nations, il le dit. Les Écritures disent clairement que Satan est le Dieu de ce siècle. Et comment il a organisé son gouvernement mondial? Donc, on a vu que dans le gouvernement du Seigneur qui sera établi sur terre, donc, premièrement, les gens sont nourris, deuxièmement, soignés, troisièmement, gardés. Et il y a la notion du berger, c'est notre berger. Il prend soin de nous, il nous protège, il nous défend, il nous garde, il veille sur nous, tout ça là. Il va chercher de l'herbe pour nous, comme un berger. Et aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui disent « Allez chercher la nourriture pour nous. » Alléluia. Et regardez. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce gouvernement mondial? Donc, les gens, au lieu d'être soignés, nourris, pardon, ils sont affamés. Satan leur dit « Pour contrôler un peuple, il faut l'affamer. » Un peuple affamé est un peuple qui va obéir facilement. Un chien affamé, vous pouvez lui faire n'importe quoi si vous lui donnez un petit os. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir dans nos pays, notamment dans certains pays dits pauvres alors que c'est des pays riches, il y a tout ce qu'il faut, la terre est fertile, mais les gens sont affamés. Vous voyez? Voilà. Ils n'ont plus le temps de réfléchir. Ils sont affamés. Donc c'est ça le fonctionnement du gouvernement antichrist. Hein, d'antichrist. Les gens ne sont pas soignés. Il y a des maladies bizarres qui les frappent. Ils meurent. Hein? Ebola, tout ça. On dit, pourquoi c'est toujours là-bas, là? Je ne dis pas qu'ici, là, les gens ne sont pas... Les gens se sont affamés autrement. Affamés, ils sont affamés aussi spirituellement. Il faut pas prendre les choses aussi dans les deux sens. Dans le sens physique et spirituel. Ben oui. Ici, là, c'est nourrir aussi spirituellement. Alors, toutes les nations sont affamées spirituellement parce qu'on donne quoi? Ah, on donne des colocaines sauvages. Les nations ne sont pas nourries spirituellement. Elles ne sont pas soignées spirituellement. Elles ne sont pas gardées spirituellement. Si Yahweh ne garde une ville, ceux qui la gardent en vain. Voyez, c'est écrit. Oh, Seigneur.
Non, pour nous dire que tout le monde entier est concerné, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, chez nous, nous mangeons à la satiété. Ah oui, mais tu es sûr que on te nourrit à la satiété, là, spirituellement, là? Donc, tu es concerné. Il y en a qui sont affamés aussi bien spirituellement que physiquement, mais globalement, nous sommes tous affamés, hein, spirituellement, voilà. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien. On a dit que exousia, c'est le gouvernement. Il a dit à Jésus, je te donnerai cette autorité. Et le Seigneur a refusé. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans Apocalypse chapitre 12, regardez bien. Chapitre 13, pardon. Il est écrit. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes d'un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Regardez le verset qui suit. Et le dragon lui donna quoi? Sa puissance, son trône et une grande autorité ici, c'est exousia, qui veut dire gouvernement. Vous vous rendez compte? Donc Satan a fini par trouver son poulain, à qui il a donné la gestion de son gouvernement. Voilà. Et on l'appelle la bête. C'est quand même terrible. Hein? Waouh. Et il lui donne beaucoup de choses. Il lui donne d'abord quoi? Sa puissance. La puissance ici, là, c'est dunamis. Donc, premièrement, il donne la puissance. Dunamis qui veut dire force, pouvoir. C'est terrible ça. Le pouvoir d'accomplir des miracles mensongers. Bah oui, ça peut être aussi le pouvoir technologique, médical, scientifique, tout ça. Il lui donne aussi, deuxièmement quoi? Son trône. Trône au royaume. Vous vous rendez compte? Et troisièmement, il lui donne une grande autorité. Égal exousia. Ou encore gouvernement. C'est quand même terrible. Donc, il donne à la bête son propre trône. Il lui donne, deuxièmement, la puissance, c'est-à-dire la capacité d'accomplir des miracles. Et troisièmement, il lui donne le gouvernement, son gouvernement, c'est le gouvernement du monde, la gestion de la terre. Mes amis, c'est grave. Et on décrit ce personnage, on nous dit qu'il est semblable à un lion, à un léopard et à un ours. Et c'est tout un mélange des choses. Hein. Donc, c'est un gouvernement, bien sûr, supranational, un gouvernement, gouvernement mondial, avec plusieurs caractéristiques, avec, n'est-ce pas, des particularités voilà, très très différentes hein, les unes des autres, et parce que vous avez d'un côté le lion, de l'autre le léopard, l'ours, tout ça, et tout ça, ça ils sont tous ensemble, mélangés, unis soi-disant, pour la même cause. Et bien sûr, historiquement, le lion c'est Babylone, donc la montagne, et c'est aussi tous les pays qui sont représentés par le lion. Hein, qui ont pour emblème le lion, tel que la Grande-Bretagne. Hein, donc, il y a aussi dedans certains pays africains. Hein, hein. Bah oui, parce que ce sont des totems, pour votre information. Bah voilà, c'est ces animaux-là, des totems. Par exemple, au Congo RDC, ben, vous avez le léopard. Ah, voilà, voyez. Donc, c'est tout un esprit, c'est de la haute sorcellerie. C'est des entités terribles qui sont derrière ces animaux-là. Vous avez le l'ours, c'est les Mèdes et les Perses. C'est aujourd'hui les Perses, vous savez qui c'est les Perses, non?
L'Iran. Voilà. Ils ne sont pas arabes, les Iraniens. Ce sont des Perses. Donc c'est l'ours, l'Iran. Et c'est aussi l'emblème de la Russie. Et la Russie soutient aussi l'Iran. Donc l'ours, c'est aussi la Russie. Tout ça. Vous voyez? Et l'ours, c'est au niveau des pieds, non? On nous dit les pieds. Ouais, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Pourquoi les pieds? Les pieds nous permettent de marcher. Voilà. Et la Russie, avec le pétrole, l'Iran aussi est une grande réserve pétrolière. Hein. Donc du coup, ben, ça permet aux gens de rouler, de fonctionner. Il y a tout ça là. Vous voyez? Donc c'est. Et vous avez le léopard, c'est la Grèce aussi, la Grèce, la rapidité, tout ça. Les Grecs avaient des grands athlètes, hein, ils couraient vite. Voilà. Donc, le léopard. Donc, tout ça, c'est mélangé. Donc, vous avez aussi la RDC, parce que le léopard aussi. Donc. Voilà. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un gouvernement global. Le président Mobutu avait pour emblème le léopard. Il portait, hein, de toute façon, une espèce de chapeau, là, tout ça, là. Le léopard, il avait un bâton, tout ça, vous voyez. Et il avait fait un pacte avec Lucifer, avec l'esprit du léopard. C'est un démon territorial terrible. Et le président actuel, pour se maintenir le pouvoir, il a récupéré ce totem. Et il a mélangé avec le lion, avec plein d'autres choses. Vous voyez? Des emblèmes comme l'aigle royal, ça c'est les États-Unis, tu vois, qui se dresse le lion là avec les ailes, hein, mais voilà, c'est terrible hein, ce gouvernement. La France, vous avez sur le coq aussi là, voyez, tout ça là, c'est et en fait, c'est y a toutes les nations ont fusionné pour donner, n'est-ce pas, naissance à ce gouvernement mondial. Et les gens pensent que ça va venir demain. C'est déjà là depuis. Mais la Bible en parle depuis. Depuis la chute de l'homme, Satan a commencé à mettre en place son gouvernement et officiellement, il a mis en place, selon les Écritures, hein, officiellement dans Genèse 11, avec Némérod, avec la tour de Babel. Depuis, ça n'a jamais cessé. Construisons-nous une tour dont le sommet toucherait le ciel et une ville pour ne pas que l'on soit dispersé. En gros, pour ne pas que rien ne nous échappe. Il faut qu'on soit au contrôle de tout. Et c'est ça. Le gouvernement, là, existe depuis. On parle des francs-maçons qui existent depuis des années, les Illuminati. On connaît ces choses-là. Vous en avez déjà entendu parler. Tout ça. Les cancars, toutes ces, n'est-ce pas, confréries, n'est-ce pas, c'est initiatiques. Voilà. C'est la gnose, la connaissance qui est réservée aux initiés. Voyez. Voilà. À des degrés. La Rose-Croix. La franc-maçonnerie, tout ça. Et le Lions Club, tout ça. Amen. Maintenant, la parole nous dit que toute la terre, regardez bien, toute la terre a suivi la bête. Toute la terre, au verset 4. Et la parole nous dit, verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Vous vous rendez compte? La terre entière suit la bête. Et c'est ce qui se passe. Toute la terre. Toute la terre. Les Écritures nous parlent des cavaliers. Vous vous rappelez, non? Il y a un de cavaliers, c'était un cheval vert. Vous vous rappelez? Verdâtre. L'écologie, tout ça, là. Vous voyez? Voilà, la COP 21. Et derrière aussi, vous avez l'islam aussi avec la couleur verte, tout ça. Donc, c'est plusieurs choses mélangées. On est déjà dans le gouvernement mondial, depuis. Vous voyez? La couleur verte aussi est utilisée par les kimbanguistes qui s'habillent en vert, tout ça. Vous voyez? Parce que là, derrière tout ça, ça amène la mort. Ben oui, c'est tout, plusieurs choses mélangées, plusieurs entités. Le kimbanguisme, c'est une secte congolaise, tout ça. Là.
Donc, c'est le gouvernement mondial, on y est depuis. Et on nous dit que la terre entière suivit la bête, donc toutes les nations, toute la terre suit la bête depuis. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on nous dit, et ils adorèrent le dragon, voilà ce qu'ils voulaient. Jésus n'a pas voulu l'adorer, mais la terre entière adore la bête. Ben oui, c'est ce que Satan voulait. Il n'a pas pu se faire adorer au ciel par les vrais anges du Seigneur qui ont résisté, qui ont dit non à ces propositions. D'autres l'ont suivi, un tiers. Et mais la terre entière adore la bête, la terre entière. Et pourquoi? Parce qu'on nous dit, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adoraient aussi la bête. Parce que Satan avait donné le gouvernement à la bête. La bête ici représente, comme vous le savez, à la fois le système babylonien, le système politico-religieux, le système politique plutôt, parce que le système religieux est représenté par la deuxième bête. Donc, cette bête, la première ici, représente à la fois un système et un homme, l'antichrist, l'homme impie, le fils de la perdition, qui doit venir avant l'enlèvement de l'Église. Ben, c'est pour ça que son système est déjà là depuis. Voyez? Donc, son système établi depuis, c'est un système qui affame les gens, hein, qui affame, qui blesse, qui disperse, divisé pour mieux régner. Voyez? C'est pour cela que vous allez entendre des histoires entre Antillais et Africains, division. Entre Martiniquais et Guadeloupéens, division. Donc, tout ça là, c'est voulu. C'est entretenu. Entretenu pour que les gens soient contrôlés. C'est entretenu, c'est encouragé. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Division entre blanc, noir. On est tous sur la même planète. Voyez? Oh Seigneur, sauve-nous. Et les habitants de la terre disaient, qui est semblable à la bête? Vous vous rendez compte? Et qui peut combattre contre elle? Donc, c'est un gouvernement de guerre. Le gouvernement de l'Antichrist. Ou le gouvernement mondial. Établi par l'Antichrist. C'est pour cela que il y a toujours cette course à l'armement. Toujours. Toujours. Le président Trump a dit il n'y a pas longtemps qu'il fallait que les États-Unis augmentent sa capacité nucléaire. Le président Poutine aussi, pareil. Alors que la Russie a déjà plus de 9000 bombes atomiques, plus de 9000 ogives. Les États-Unis, plus de 8500, quelque chose comme ça. La Russie, c'est la première puissance nucléaire mondiale. Deuxièmement, les États-Unis. Ensuite, vous avez la France, 300 ogives à peu près. L'Angleterre, 300 à peu près. La Chine, 250 à peu près. L'Inde, 50 ou 60. Le Pakistan, 50. Israël ne dit pas combien d'ogives il possède. Mais voilà, l'Iran, pareil. Moi, je suis convaincu que l'Iran a l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions, tout ça. Et la Corée du Nord, pareil, possède l'arme nucléaire. Vous vous rendez compte, c'est une guerre, là. La Russie vient de fabriquer, n'est-ce pas, les Russes, hein, ils ont fabriqué un missile là qu'ils ont nommé Satan 2. Un seul missile, s'il est lâché sur la France, toute la France est rasée. C'est un missile nucléaire, un seul. Une seule bombe lâchée sur la, c'est tout petit comme ça, lâchée sur la France, toute la France est rasée, tout le monde meurt tous ensemble, d'un seul coup, irradié, fini. Vous vous rendez compte? Donc, s'il y a une troisième guerre mondiale, hein, c'est fini. Et or, les autorités parlent de plus en plus de la troisième guerre mondiale. C'est là où on y est. Regardez, vous ne voyez pas que c'est déjà le cas là. On dit qui peut combattre contre la bête? Parce que la bête est tellement armée. Regardez, en Crimée là-bas, là, il y a les États-Unis et certains Occidentaux, certains Européens, notamment la France, l'Angleterre, tout ça, là, qui soutiennent l'Ukraine. Et la Russie et certaines nations arabes soutiennent justement la Crimée. Donc vous voyez bien que déjà il y a cette guerre là qui est déjà là entre deux fronts. Et vous avez aussi la guerre actuelle en Syrie.
la Russie et certaines nations, n'est-ce pas, les Arabes soutiennent Bachar, et vous avez les États-Unis et la France, tout ça qui soutiennent aussi qui soutiennent les rebelles. Donc, c'est là, la guerre, là, petit à petit, ça va, selon les Écritures, ça va, la terre va être embrasée. La guerre d'Armageddon. Voilà. Donc le gouvernement mondial, on y est déjà là. Les casques bleus, qu'est-ce qu'ils font là, les 20 000 casques bleus au Congo, RDC, n'est-ce pas? Les gens continuent à être massacrés, tout ça là, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils ne sont pas là pour la paix. C'est pas un gouvernement, le gouvernement mondial n'est pas là pour notre paix, notre sécurité, pour nous soigner. Non. Des enfants massacrés, et les gens n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus d'âme, c'est pas possible. Des enfants violés, on n'en parle même pas. Vous avez vu les images en Syrie? Vous avez vu tous ces migrants, ces enfants qui se noient, tout ça là? C'est. On est dans quel monde là? Ben, c'est le gouvernement mondial. C'est tout ça là. C'est un gouvernement cruel, le gouvernement mondial. Les gens sont sauvés. D'ailleurs, on dit la bête. On n'a pas dit un individu comme ça là. Oui, c'est un individu en même temps. À la fois, c'est un système et un homme, un individu qui gère ce système là, qui contrôle ce système, manipulé lui-même par le diable, par Satan, le dragon. Mais d'abord, vous avez vu, on nous parle de la bête. Donc, c'est une bête. Donc, la bestialité. Il nous parle du dragon. Donc, ce sont des animaux terribles. Donc, c'est pour ça qu'il y a la bestialité. Les enfants sont écrabouillés, pilés dans les mortiers. Et ce n'est pas un problème. Les gens trouvent ça normal. Ils dorment, ils mangent normalement comme si de rien n'était. Ils sont pires que les animaux. Les animaux tuent pour manger, globalement. Même les serpents les plus venimeux, quand ils ont affaire aux hommes, souvent, ils fuient, ils se sauvent. Si ils mordent les gens là, c'est vraiment parce qu'ils se sentent en danger ou c'est pour manger. Mais l'homme tue par plaisir. Pourquoi il tue pour des choses qu'il va laisser sur terre? Voilà la bestialité. Les gens n'ont plus de cerveau. Voilà le gouvernement mondial. N'attendez pas que oh non mais demain il va y avoir un gouvernement mondial. Mais c'est déjà là, là on y est depuis. Mais c'est depuis des années. Vous ne voyez pas? C'est dans la Bible. Dans le gouvernement mondial. Les grandes puissances dirigent, contrôlent les petits pays. Même si c'est des pays qui sont grands sur le plan superficie, mais sur le plan militaire, comme ils sont petits, comme ils ne sont pas puissants, mais ils sont contrôlés, ils sont manipulés, ils sont gérés. Et on exploite le pétrole, on exploite la richesse, tout ce que vous voulez. Et c'est juste une minorité. C'est pas, même quand on parle des nations européennes, ce ne sont pas les Européens qui font ça, c'est juste une minorité. Parce que vous savez également que certains Européens, comme certains Français, pleurent, souffrent. Donc c'est juste l'élite, voilà, qui dirige le monde, parce qu'ils ont reçu ce pouvoir-là de Lucifer. Et nous, peuple de cette génération, nous sommes là, dans ce gouvernement mondial. Et tout est manipulé. On nous dit, dans ce gouvernement, si vous lisez plus loin dans Apocalypse 13, on nous parle de la deuxième bête qui a les deux cornes de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc là, c'est un gouvernement où il y a trop d'apparences. Les gens sont dans les apparences. Voyez. Et Satan est trop, trop rusé. Voilà pourquoi il a mis en place la religion. Une religion là, terrible. Quand je parle de la religion satanique, c'est toutes les sectes, les dénominations, tous les faux frères, même s'ils sont seuls dans leur coin, ils sont faux, ils sont du diable, ils sont des faux ouvriers. Ils ont l'air, n'est-ce pas, c'est comme des brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups cruels, méchants, dangereux, et je vous assure. Il y en a même qui peuvent vous épouser vos filles, vos garçons, mais ce sont des loups. Je vous dis. Priez Dieu. Demandez toujours au Seigneur de vous montrer l'état d'âme déjà, vous allez voir. Voyez? Ils ont l'apparence de la piété. C'est ça le gouvernement mondial. Donc Satan, sachant que l'homme est profondément idolâtre, alors il a mis en place la religion. C'est pour cela que la deuxième bête vient, avec une apparence pieuse. Mais au fond, c'est le dragon qui parle. Paul dit, Satan se déguise en ange de lumière, et ce n'est pas un sujet d'un grand étonnement si ses ministres aussi se déguisent en ministres ou serviteurs de justice. C'est terrible.
Donc, dans ce gouvernement mondial, vous avez cette entité religieuse qui est mise en place, cette femme assise sur la bête. La bête, c'est l'homme impie, le système impie, le système politique. Et la femme, c'est le système religieux. Donc, voilà pourquoi Rome a toujours été là. Voyez, l'Église romaine, l'Église protestante, les dénominations que l'on voit aujourd'hui, les églises d'où l'on est sorti, d'où beaucoup sont sortis. Alléluia. Frère, tu dors? Voilà. Donc, cette entité religieuse est là pour, comme de l'opium pour endormir les gens. Et ils ont réussi à endormir beaucoup, 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 beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Déjà en Europe, avec la papauté a endormi beaucoup de gens. Et la révolution française, tout ça. En Afrique, dans certains pays en Amérique latine, mais les églises, mes amis, ces églises sont des instruments entre les mains de Satan. Je vous dis, vous allez en Amérique latine, il y a des grandes assemblées, évangéliques, tout ce que vous voulez, mais c'est de l'opium. Les gens sont endormis. Vous allez au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais laissez tomber, laissez tomber. Ça, vous allez être en colère. Du lundi au lundi, programme sur programme, programme sur programme, les gens sont, n'est-ce pas, ils sont comme envoûtés, tout ça là, et il n'y a rien à faire. C'est l'opium. Et ces pasteurs-là, souvent, sont payés par des politiques. Regardez la preuve. Je réitère encore ce que je disais la dernière fois. Au Congo, il y a des gens qui sont tués. Ça, on ne peut qu'en parler. Pas seulement au Congo, mais ici et là. Mais 10 millions de morts. Vous avez des grands pasteurs, selon les hommes, qui ont des grandes assemblées au Congo. Ils viennent faire des séminaires ici en Europe. Combien de gens dénoncent ce massacre-là parmi ces pasteurs? Mais pourtant, ils sont suivis par des milliers de chrétiens. Le pays en deuil, les gens continuent à danser. Voilà le gouvernement mondial. Il y a des choses. Hein. Vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique, ce qui s'est passé, comment les enfants étaient massacrés, tout ça, des veuves. Vous avez vu le nombre d'orphelins qu'il y a là-bas, là, en Centrafrique? Vous avez vu? Voilà le gouvernement mondial. La guerre de religion, l'islam et le christianisme. On prend des machettes, on va couper la tête des gens. Voilà, le gouvernement mondial. Et quand j'entends des chrétiens dire, j'étais au séminaire avec tel pasteur, parce qu'il vient du pays, vous êtes encore là. Il faut leur dire, mais pourquoi vous ne dénoncez pas toutes ces exactions-là? Oh non, parce qu'on va se faire tuer, mais quitter dans ce cas-là ce pays, aller ailleurs, aller crier depuis quelque part? Je ne sais pas. Et c'est ces mêmes pasteurs qui vont spolier cette population déjà dépouillée, blessée, écrasée. Ce sont ces mêmes bishops qui vont faire toutes sortes d'appels de fonds, tout ça. Pour faire quoi? Combien on construit des orphelinats? Combien on construit des maisons pour les veuves? Combien on construit des écoles pour aider les gens? Très peu. Ils ne peuvent pas dénoncer les politiques parce qu'ils sont nourris par les politiques, perfusés par eux. Il y a même des pasteurs, vous allez voir, au Congo, qui ont maintenant, ils dirigent les équipes de foot. Vous voyez? Mais c'est. Et quand on va faire une émission demain, si Dieu permet, là, sur tout ça, là, le gouvernement mondial, frère, on y est, là. On y est. Vous voyez? Les enfants, quand ils naissent, là, vaccin. Oui. Obligatoire, gouvernement mondial. Vous voyez? C'est là. On dit bien réseau. Les gens ne comprennent pas. On dit réseau. On dit la toile. Hein? La toile. C'est la toile. Je suis sur la toile. Mais toile d'araignée. Mais les gens ne comprennent pas. Gouvernement mondial. Tu vas exposer ta vie
du matin au soir, des photos ici et là, sur les réseaux, tout ça là. Et les gens trouvent ça logique, normal, pas de problème. Voilà, le gouvernement mondial. Quand Satan a tenté le Seigneur, il lui a dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ah, voilà le gouvernement mondial. C'est-à-dire, c'est le commerce. Les gens sont prêts à tout pour manger. Je vous dis. Commerce. Pour manger. Et Apocalypse nous dit quoi? Dans le gouvernement mondial, dans la Babylone, il y a des commerçants qui vendent quoi? De l'or. Hein? C'est pour cela qu'on nous tue à cause de l'or. Des pierres précieuses. Voyez? Et on va même vendre les âmes d'hommes. C'est pour cela que les gens, certains vont demander la dot pour vendre leur fille. Ils vendent les âmes. C'est écrit dans la Bible. Ils vendent quoi d'autre? Ils vendent des organes. Il y a un marché souterrain d'organes. Hein? Il faut le savoir. Ben oui. Les gens meurent bizarrement. Il y a un mot de tête comme ça. Hein? Des mots de tête, ils vont dans les hôpitaux, certains hôpitaux, tac, que ce soit ici ou ailleurs. Hein? Tac, la maladie s'aggrave. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il est mort. Mais c'est bizarre ça. Tac, les organes. Tac, on prélève. Voyez, ils vendent quoi dans Babylone? Parce que Satan voulait que le Seigneur mange, se transforme. Voyez, les pierres en pain. C'est-à-dire, toi, tu es une pierre vivante. Et on veut te transformer en pain. Voyez, et c'est ce qui se passe avec les églises. On vous demande la dîme, on vous demande l'offrande pour les prédicateurs, on vous demande si vous voulez voir un pasteur, il faut payer. C'est tout ça là, toute cette, la vente des livres dans les assemblées, la vente des CD, la vente des enseignements, des bishops, tout ça là, c'est le gouvernement de l'Antichrist. Ces pasteurs travaillent pour Lucifer, pour le dragon. Jésus a vendu quoi? Il a chassé les vendeurs du temple, les changeurs de monnaie, il les a chassés du temple. Mais regardez, si vous avez l'esprit de Christ, on doit faire la même chose. Or, eux, ils font le contraire, c'est parce qu'ils sont anti-Christ. Et Jean nous dit que c'est la dernière heure, et comme c'est la dernière heure, plusieurs antéchrists sont venus, antichrist ou antéchrist. Ils sont venus. Voilà. C'est pour cela qu'ils vont nous attaquer comme ça. Non, ils vendent. Non, il faut vendre quand même tout ça là. On vend quoi? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez? Et si vous êtes contre cela, vous êtes antichrist. Oh non, nous, on va marier nos enfants, même symboliquement. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous êtes des vendeurs, des changeurs de monnaie, vous êtes des marchands. Eh bien, vous êtes antichrist. On y est dans le gouvernement mondial. Le ventre. Paul dit dans les Philippiens 3, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Ben, c'est ça. C'est ça. La deuxième chose qu'il propose au Seigneur, c'est quoi? Il amène sur une haute montagne. Il dit, n'est-ce pas? Voilà, c'est le gouvernement. On a vu, Jésus a refusé. Le gouvernement, la domination, dominer. Vous voyez, c'est la domination. Les gens, ils aiment être dominés. Nous, quand je dis aux frères et sœurs, ne venez pas toujours aller vers le Seigneur. Beaucoup de gens veulent être dominés. C'est ça le gouvernement mondial. Ils veulent être dominés toujours. Voilà le système de l'antichrist. Et ceux qui dénonçaient ces choses-là hier commencent à laïquer en disant c'est bon, tout ça. Là, c'est... Vous voyez la confusion? C'est parce qu'ils sont tous impies. Ce sont des impies. L'antichrist est déjà là, son système est déjà là. Le gouvernement mondial est déjà là depuis. Déjà le nouvel ordre mondial a été officiellement mis en place, n'est-ce pas, le 2 avril, ou le 2 avril 2009. Vous voyez? Après la crise de 2008. Vous voyez? Avec le G20. Officiellement. Mais ça a toujours été là. Maintenant, ce qui reste, c'est officiellement de présenter ce gouvernement en disant, voilà, c'est lui qui va vous gouverner, hein, notre président mondial. C'est pour cela que, dans nos pays, les politiques sont de plus en plus contestées, les hommes politiques. Parce que le peuple, l'humain, les humains sont matures, sont mûrs. Ils ont besoin maintenant, ils cherchent maintenant un homme qui viendrait les délivrer, hein, de toute leur misère. Et bien, cet homme-là, c'est l'antichrist. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a les sondages.
on va élire un président, et puis tout ça là, quelques mois après, on dit non, sa cote de popularité a baissé, tout ça. Mais c'est parce que le peuple ne le veut plus, il cherche l'antichrist. Voilà. Et l'antichrist marche toujours avec ses serviteurs, ses faux chrétiens, ses faux pasteurs, ses faux frères, hein, tout ça là, qui sont là. Et dans ce système, dans ce gouvernement antichrist, les vrais chrétiens sont lapidés. Les vrais prophètes sont lapidés. Parce que Jésus a dit, le monde aime ce qui lui appartient. Aime, n'est-ce pas, ce qui... Ben oui, mais le monde déteste et tous ceux qui sont du Seigneur. Et puis dans ce gouvernement antichrist, dans ce monde, donc je disais d'abord, Satan propose au Seigneur la nourriture, le ventre. Deuxièmement, le gouvernement. Troisièmement, il propose quoi? Eh bien, il lui propose de devenir le pape. Il amène au sommet du temple, à Jérusalem, la ville sainte. Ah, lui jette-toi. Tu vas voir, il va envoyer ses anges, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tente Dieu. C'est ce qui se passe avec beaucoup. C'est le message de la super grâce. Tu vois, tes prédicateurs, tes chrétiens, ben tu peux tomber volontairement. Dieu va envoyer des anges, il va te pardonner parce que cette fois le juste tombe selon eux et ils se relèvent parce qu'ils interprètent mal ce passage-là. Voilà, c'est la super grâce. Oh non, il n'y a pas l'amour. Ils sont méchants, il n'y a pas l'amour là-bas. C'est où là-bas là? L'évangile, c'est écrit, il faut vérifier. Vous voyez? Non, la grâce. C'est de divorcer et de remarier. Oh, c'est la grâce. Et ça traîne avec les pasteurs impudiques, les masturbateurs, les voleurs, n'est-ce pas, les dépouilleurs des chrétiens. Mais c'est la grâce. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, jetez-vous. Dieu du temple. Vous êtes là, au-dessus du temple, en haut, là, élevé, en tant que pasteur, prédicateur, enseignant, docteur, chantre. Eh bien, jetez-vous en bas. Couchez avec les femmes, avec les hommes. Traînez avec les faux frères, c'est pas un problème selon eux. Faites l'apologie des chantres qui font des affiches avec des photos. Publiez leur programme. C'est pas grave selon eux. Voilà l'antichrist avec son gouvernement, avec ces faux chrétiens-là. Hier, je vous disais que Dieu, ce qu'il veut, ce ne sont pas des chrétiens, Dieu veut des disciples. Voyez? Le mot chrétien ne sort pas de la bouche de Jésus-Christ. Non. Ce sont des païens qui ont dit ça. C'est pour cela que nous ne sommes pas là pour vous dire, venez prier ici, parce qu'on n'a pas d'église. Notre église, c'est l'église du Christ. Mais on partage avec des frères et sœurs ici et là. Mais oui, des chrétiens comme nous, il y en a ici et là, dans le monde. Il y en a qu'on ne connaît pas. Si vous en croisez, priez avec eux, partagez avec eux, pas de problème. Mais moi, je ne vous dirai pas dans quelle église aller prier. C'est fini, ça, vous le savez ça. Voilà. Je vous dirai plutôt, lisez vos Bibles, allez vers le Seigneur, demandez-lui de vous diriger. Voilà. Voyez? C'est ça le système. Donc il lui propose de se jeter volontairement du haut du temple, de tenter Dieu. Il lui a proposé de gérer, d'être le président de toutes les églises. C'est ça. C'est pour cela que vous avez des présidents dans des organisations religieuses, vous avez des secrétaires, des vice-présidents, tout ça. Ils sont fiers de leur titre. La présidente des femmes. Seigneur, sauve-nous. L'identité que le Seigneur nous a donnée, ils n'en veulent pas. Le fait que nous soyons l'épouse du Seigneur, nous soyons le temple de Dieu, la maison de Dieu, tout ça, le sel de la terre, la lumière du monde, ce n'est pas un problème. Eux, ils ont inventé d'autres. Archibishop, mon premier, bishop, évêque international, tout ça, tout ce que vous voulez. Mon Seigneur, voyez, tout ça là. Et ils ont des termes parfois qu'ils inventent là pour vous impressionner. Des termes techniques, comme certains. Les congrès. Et les gens, ils sont impressionnés. Vous voyez? Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes déjà dans un royaume, le royaume spirituel, le royaume du Seigneur. Et on veut vous amener encore dans notre royaume qu'on appelle congrès, qu'on appelle ci, qu'on appelle ça. Et puis les gens sont fiers. Voyez?
C'est là, le gouvernement. C'est là, sous vos yeux. Ce gouvernement mondial a mis en place des congrès. Ce sont des organisations religieuses financées par les francs-maçons dans le but d'atteindre l'élite. C'est de la haute sorcellerie, la séduction. Et les gens sont envoûtés. Les gens suivent la bête. Les gens sont contrôlés comme ça. Ils suivent, ils ne comprennent pas. Ils suivent. Seigneur, sauve-nous. C'est la sorcellerie. Ils ont infiltré les églises. Pour votre information, vous allez entendre parler souvent du New Age. Mais c'est ça, le congrès là dont tu connais là. C'est le New Age, tout ça. L'infiltration du New Age. Ils inventent des techniques, tout ça là. Et les gens sont complètement endoctrinés, envoûtés. Le gouvernement mondial. Et ce gouvernement, Dieu en a souvent parlé. Il a donné une vision à un roi babylonien, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il a vu dans Daniel 2, comme vous le savez, une grande vision, la vision d'une grande statue, voyez, qui représentait les quatre premiers grands empires, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et la Rome impériale. Et cette statue est reconstruite aujourd'hui. Et d'ailleurs, Nebuchadnezzar, dans Daniel 3, avait même construit lui-même cette statue. Vous voyez ? Et il a demandé aux gens de l'adorer, juste en écoutant toutes sortes d'instruments de musique. C'est ce qui se passe. Donc on associe la musique dans ce gouvernement mondial. C'est pour ça que vous avez des chorales, des grandes chorales dans les assemblées, avec des soutanes. Pour envoûter les gens. Des chrétiens savent que la vérité n'est pas prêchée, mais comme il y a la musique, ils continuent quand même à y aller. Vous voyez, ils sont envoûtés. C'est Daniel 3. Quand vous entendrez le son de la musique, mettez-vous à genoux pour adorer la statue. C'est ce qui se passe. C'est pour cela que vous avez tous ces chantres, hein, toute cette musique qu'on appelle le gospel. Le gospel, cette musique-là est une invention démoniaque luciférienne. Avec des chantres qui vont divorcer, se remarier, qui couchent avec des femmes, qui couchent avec des hommes, qui couchent entre eux, entre elles, entre... C'est la confusion totale. Avec toute cette vente. C'est toute une industrie chrétienne paganisée. Ça va se mélanger avec des chantres du monde, avec des chantres profanes. Ça va prendre des instruments de l'inspiration dans le monde. Les gens ne se rendent pas compte que... Je vous parle de tout ça, là. C'est ça le gouvernement mondial. Ça va, on a 2 jours seulement, donc je donne tout ce que je peux donner de la part du Seigneur. Donc, dans le gouvernement mondial, Satan a associé la religion. Le côté, vous savez, même si vous dites que vous n'êtes pas croyant, tout le monde est croyant. Parce que votre religion à vous, ça peut être l'athéisme. Ça peut être aussi la laïcité. C'est une religion. Ben oui. Les gens, ils ne comprennent rien. Oh non, je suis athée. Mais oui, tu as une religion, c'est un athéisme. Oui. Oh Seigneur, sauve-nous. Ah non, moi je suis seul dans mon coin, j'ai quitté Babylone, je suis seul dans mon coin, je prêche seul. Qui t'a dit que t'as quitté Babylone? Babylone, c'est en toi. Parce que t'as la soif du micro, t'as la soif de la prédication, t'as la soif, t'es menteur, t'es rebelle, t'es dans Babylone. T'es bien comme il faut, tu fais avancer Babylone. Mais je ne comprenais rien. Seigneur, sauve-nous. Vous voyez un peu ce qui se passe? Alléluia. À ton voisin, l'heure est grave. Donc Satan associe non seulement la religion, mais aussi la musique. Donc Daniel 3, on l'a vu. La musique. Regardez aujourd'hui comment les chrétiens sont envoûtés par la musique sur une chrétienne. Regardez bien. Ces chantres chrétiens, la plupart là, sont plus orgueilleux hein, que beaucoup de musiciens profanes. C'est terrible. Oh Seigneur.
C'est grave. Je vous assure, hein, ceux qui vont être enlevés, ce sont les violents. Ceux qui sont violents, pas dans le sens, comme vous le savez, hein, de la violence physique, tout ça, ou verbale, mais ce sont les persévérants. Ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent pas s'associer avec les impies, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, flécher les genoux devant Baal, qui se mettent à part pour suivre le Seigneur et lui seul, qui reconnaissent que seul Jésus-Christ peut sauver véritablement, et qui ne sont ni rebelles, hein, ni ingrats, hein, ni fanfarons, et tout ça. Et qui suivent le Seigneur, qui suivent l'agneau. Voyez ? C'est terrible. Quand Satan a pris le Seigneur pour l'amener sur cette haute montagne-là, à l'époque, cette montagne, non seulement c'était Babylone, mais c'est aussi la Rome impériale. Parce qu'à l'époque, c'était la Rome qui dominait. Voyez ? C'était Rome, la quatrième bête, selon Daniel 7. Il lui a montré la splendeur de cette ville. Voilà pourquoi Paul, dans Romains 12, disait aux chrétiens de Rome, « Ne vous conformez pas à l'âge présent. » Malheureusement, beaucoup de ces chrétiens se sont conformés à l'âge présent, c'est-à-dire ils ont imité l'organisation hiérarchique de la Rome impériale. Et ils ont créé cette religion, cette église romaine qui a donné naissance à tous ces enfants, le protestantisme, toutes les églises évangéliques, comme vous le savez là. Qui aujourd'hui, selon l'histoire, selon ce qui se passe, les informations qui ont dépassé ces églises, ont dépassé même l'église mère dans la paganisation. C'est grave. Donc, commerce, aussi bien dans le monde que dans les églises. C'est pour cela que vous avez l'OMS pour la santé, l'OMC hein, pour le commerce. OMC, Organisation Mondiale du Commerce. L'Organisation Mondiale du Commerce. Vous avez l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Vous avez l'OTAN. Ça, c'est le côté politique, militaire. Vous voyez ? C'est terrible. C'est l'OMS qui impose les prix de denrées dans le monde. Hein. Voilà. C'est le gouvernement mondial. L'OMC, pardon. L'OMS, c'est la santé, effectivement, c'est toutes les pharmacies, tout ça, là, avec le sigle, le serpent, là, tout ça. Là. On est dans le gouvernement mondial. Vous devez savoir en quel temps nous sommes et comment se comporter. C'est pour ça, là, quand j'entends des chrétiens qui sont choqués, dérangés, quand on est combattu, je dis, mais vous n'avez rien compris. Au contraire, vous devez vous réjouir et bénir le Seigneur et bénir ces gens-là parce que c'est normal que l'on soit critiqué et qu'on soit combattu. C'est normal parce que c'est le gouvernement mondial. Ce sont les gens qui font partie de ce gouvernement. Ils sont du monde. Ils ne peuvent que s'associer entre eux, comme Hérode et Pilate. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez ? Donc attendez-vous à ce que les gens vous lapident. Attendez-vous à ce qu'on invente des histoires sur vous. Enfin, j'entends voir les gens, ils font des songes sur moi, ils vont balancer partout comme si je suis tombé dans un péché. Je dis, mais ils ont eu des songes, ils ne savent même pas que le diable donne des songes. Tout est mélangé dans leur tête. Vous voyez ? Et puis chacun commence à dire, ah, moi aussi j'avais reçu. Regardez-moi ces impies. Ces fils et filles du diable. Donc vous voyez, avec l'avènement de la toile, Internet, vous avez vu comment le monde est devenu sale. Vous savez, les gens n'ont plus de vie privée. Le péché a pris de l'ampleur. La haine a pris de l'ampleur. T'as l'impression, c'est même pas l'impression, c'est-à-dire que t'es surveillé, nous sommes épiés toutes les secondes, épiés. Les gens, ils s'occupent même plus de leurs propres affaires, ils sont là pour s'occuper de ce qui se passe chez le voisin en permanence. Mais le voisin en question, il est où? Eux, ils sont aux États-Unis, mais le voisin se trouve en Australie. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Le monde est devenu un petit village. Le monde est devenu un petit village. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de rester lors de l'enlèvement. C'est pour ça, honnêtement, je ne suis pas dans les réseaux, là, tout ça, là, j'ai pas. Si quelqu'un a pris mon nom, il a créé un compte Facebook, tout ça, je ne suis pas dans tout ça, là. Il prend des captures de vidéos, il crée. D'une de mes vidéos, tout ça, pour créer c'est un monde. La rébellion a pris une telle ampleur dans le monde, là, avec l'avènement du net. Honnêtement, il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 25 ans, quand il n'y avait pas vraiment Internet, quand l'Internet n'était pas aussi banalisé, n'était pas aussi accessible à tous, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait encore un semblant de vie privée. Regardez aujourd'hui. La vitesse à laquelle les informations circulent.
Donc nous sommes appelés, comme je disais encore une sœur hier, à être encore plus prudents. Comme le Seigneur disait, je vous ai envoyé au milieu de loups. Comme des agneaux au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent. Parce que tout le monde veut tuer le serpent. Et soyez purs ou simples comme la colombe. Vous voyez? C'est ça le gouvernement mondial. C'est pour cela que ne vous précipitez pas à vouloir enseigner, prêcher, chanter. Vous n'êtes pas obligé, quand il y a forcément une réunion, d'aller, parce que vous chantez, il faut chanter absolument, prendre le micro, il faut chanter un cantique. Non! Chantez comme tout le monde, comme vous êtes librement, là où vous êtes, oui. Mais ne courez pas forcément vouloir prendre le micro. C'est le ministère, beaucoup dans ce temps de la fin, là, ça les tue. Parce que le gouvernement mondial, c'est ce que Satan veut, il te dit, vas-y. Vous avez vu le nombre de gens qui s'exposent sur Internet? Ils s'exposent. Matin, midi, soir, ils veulent s'exposer, tout ça, ministère. C'est ça le gouvernement, c'est la fin, on est à la fin. On est à la fin. En quel temps, quel message? Quel temps? C'est le temps du gouvernement mondial. Je vous dis. On parle du corps médical, mais on ne parle pas de l'âme médicale. L'âme, ce sont les patients. Voilà. Mais pour qu'il y ait des patients, il faut qu'il y ait des maladies. Les maladies, il faut les créer. C'est ça le gouvernement mondial. Donc, microbes, virus, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont créées. Parce que les sociétés pharmaceutiques, mes amis, gagnent énormément d'argent, font beaucoup, beaucoup d'argent sur la santé des hommes. Donc, il faut polluer la terre, il faut faire manger aux gens n'importe quoi, leur faire boire n'importe quoi. Quand je vois des gens qui boivent, qui mangent n'importe quoi, je dis, mais voilà, Dieu demandait aux Hébreux de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas consommer n'importe quoi, parce qu'ils devaient veiller, ils veillaient sur leur santé. Vous avez vu le nombre de cas d'AVC, de cancer aujourd'hui, tout ça là? C'est le gouvernement mondial. Regardez le déplacement des populations. De l'est vers l'ouest, du sud vers le nord. Vous avez vu? Le monde est en mouvement. C'est ça le gouvernement mondial. Il n'y a plus de frontières. C'est fini. C'est fini. Regardez comment les populations mondiales se sont mélangées. C'est fini, c'est le gouvernement mondial. On ne peut plus faire marche arrière, c'est fini. Donc, les nations convergent inéluctablement vers le chaos final, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale, l'Armageddon. Et Satan est rentré, comme je vous ai dit, il a créé les églises, il a créé la religion. Il a dit aux gens, donnez-leur ce qu'ils veulent, donnez-leur, dites-leur qu'ils sont des champions, qu'ils vont régner sur la terre. Dites-leur, il ne faut pas qu'ils parlent, il ne faut pas leur parler du gouvernement de leur Messie, là, pour qu'ils aient de l'espérance. Faites-leur croire qu'ils sont immortels. Dites-leur qu'en payant la dîme, ils vont être riches sur terre. Voyez? Alors qu'ils ne savent pas que l'argent qu'ils veulent gagner, là, appartient à César, à Satan. Voyez, il faut les distraire avec ces prédicateurs qui n'ont pas l'appel et qui sont sur YouTube. Il faut les distraire. Voyez, il faut les distraire sur les réseaux qui passent leur temps dans les distractions, les cancans, les histoires. Ah, t'as vu un tel. Voyez, ils passent leur temps pour qu'ils oublient qu'ils sont immortels. Ils sont mortels. Le jour où la mort va les frapper subitement, ils n'auront pas le temps de se repentir pour aller dans le royaume de leur maître. Dites-leur que le vrai mariage, c'est la mairie. Pour que les hommes et des femmes qui ont des enfants, avec des femmes, avec des hommes, tout ça là, se disent, on n'est pas mariés, on peut changer de femme, changer d'homme, et quitter nos enfants, nos femmes, nos maris, pour être avec d'autres femmes que l'on va épouser officiellement à la mairie parce qu'on est chrétien. Dites-leur tout ça là. Dites-leur que les hommes, une jeune fille, un jeune homme peuvent habiter ensemble dans un même appartement, c'est pas grave parce que dites-leur tout ça là, qu'ils vont gérer. Dites-leur. Faut pas qu'ils soient prudents, comme un serpent. Dites-leur qu'ils, faut pas qu'ils soient prudents, comme leur maître leur recommande. Dites-leur. Voilà le gouvernement mondial. Et les gens sont, on est nés là-dedans, on nous a, vous savez, dans le gouvernement mondial, c'est le même langage. Parce qu'ils avaient les mêmes mots, la même vision.
voyez, c'est, ils sont lobotomisés, ils sont éduqués, formatés comme ça. Et quand un discours vient s'opposer à leur vision, à leur mentalité, eh ben, ils se dressent. C'est pour cela que beaucoup veulent, même depuis des années, que je change de message, ou que d'autres frères et sœurs comme nous, dans le monde entier, changent de message. Ils mettent la pression. Ah non, on ne change pas de message. Clash, séparation, division, scandale. Pourquoi ? Parce que, eh ben parce qu'il faut aller dans le sens de tout le monde. Voilà, dans le même sens que tout le monde. Oh Seigneur. Et Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils avaient refusé de faire allégeance à cette statue, ils ont été persécutés. Bah oui. Ils ont été mis dans une fournaise ardente. C'est le feu, la persécution. La fournaise et le feu ici, c'est la persécution. Voilà pourquoi les vrais chrétiens sont persécutés. Si on ne te traite pas de sorcier, on ne te traite pas de faux chrétien, si on ne te lapide pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Vivant dans un monde aussi paganisé, un monde gouverné par l'impie. Ah. Beaucoup de gens disent, non, mais vous savez, nous sommes dans cette église depuis des années, on ne va pas quand même y rester. Voilà, ils sont morts, ils sont contaminés. Ils savent qu'il n'y a pas la vie. Mais quand même, parce que bon, vous savez, quand même, compromission. Le gouvernement mondial. C'est pour cela que le New Age parle de l'âge d'or. Parle du Maitreya, l'Antichrist, qui doit venir. Et il est déjà là, son système est déjà là, organisé, mis en place. Et je vous assure, si vous voulez être sauvé, croyez-moi, ne cherchez pas, oh non, cherchez une église. Ce n'est pas écrit dans ce livre qu'il faut chercher une église. Invoquez le Seigneur depuis vos maisons. Vous voyez ? Ne cherchez même pas à savoir où moi je suis. Je ne vous cache. Nous sommes à la fin, vous ne voulez pas que nous sommes à la fin ? Je ne suis pas là pour répondre à vos coups de fil. Non. Depuis des années, je le dis. Hein. Les gens disent, non, il est dur. Non, vous ne comprenez pas. On dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Non. Si on vous a dit qu'un pasteur doit venir chez vous, vous visiter, tous les quatre, vous n'avez rien compris. Non, vous n'avez rien compris. Vous êtes chrétien ? Oui. Eh bien, c'est la persécution. Vous êtes chrétien ? Oui. Ben, c'est le gouvernement mondial. C'est à vous d'aller vers le Seigneur. Nous, ce que nous recevons, nous partageons. C'est à vous de prendre la parole, d'aller vers le Seigneur. Quelqu'un vous dit, non, mais cette sœur n'est pas du Seigneur. Prie le Seigneur. Si Dieu te dit, c'est sa fille. Oh, écoute plus le Seigneur que les hommes. C'est ça. Plus Dieu. Même si c'est ton fils qui dit non, ça c'est pas du Seigneur, dit non, moi Dieu m'a parlé, parce que le salut c'est personnel, c'est individuel, c'est entre toi et Dieu. Le jour où on mourra, là, ce sera entre toi et Dieu. Le gouvernement mondial, frère, c'est l'heure est grave. Je veux que vous compreniez cela de la part du Seigneur. L'heure est grave. Vous devez préparer vos enfants, préparer vos maris, vos femmes, parce que le Seigneur est en train de revenir. On est presque à la fin, ne vous inquiétez pas. Il revient. Regardez bien, levez les yeux. Parce que la parole nous dit, dans le temps de ce roi, dans Daniel là-bas, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera pas détruit. Donc le royaume millénaire ne peut pas être établi, ne sera pas établi sur terre tant que le gouvernement mondial luciférien ne sera pas en place. Or, il est déjà en place depuis. Depuis. Donc, c'est pour cela que présentement, actuellement, Jésus est plus qu'à la porte. C'est pour cela qu'il donne de nouveaux rouleaux, aussi bien à nous qu'à ses enfants dans le monde entier, nos frères et sœurs que nous ne connaissons pas forcément, mais qui sont... On est de la même famille avec eux, ils ont le même message. Dieu met l'accent sur la famille, le vrai mariage, parce qu'il y a beaucoup d'adultères, il y a beaucoup qui sont de l'adultère, qui sont de la fornication, qui ont délaissé leur femme, leur mari, tout ça. Frère, ça va être terrible notre jugement. Vous pouvez me poser des questions, oui, mais je veux dire, dans votre conscience, là, Dieu vous a déjà parlé, dans votre esprit. Ce livre-là dit tout. Moi, je ne suis qu'une voix qui crie.
Ne cherchez pas à me faire dire des choses pour dire le frère a dit. Non, je ne suis pas Dieu, je ne sais de le dire. Non, je suis comme vous. Voilà. Mais par contre, nous avons tous des comptes à rendre au même Dieu, Yeshua. Parce que je ne suis qu'un homme. Mais comment ça va se passer ce jour-là? On est face à l'éternité. Vous ne pouvez pas savoir quel message qu'il faut si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le temps dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas le discernement du temps dans lequel vous êtes. Vous ne pouvez pas donner une alimentation à un enfant qui ne soit pas adapté à son âge. Donc il faut connaître l'âge de l'enfant pour lui donner une nourriture appropriée. Voyez? C'est ça l'évangile. Quel temps, quel message. On n'est pas là dans un temps de distraction. Non, mais vous savez, un tel a dit ça, un tel a... C'est fini ça. C'est pour ça, personnellement, je vous dis une chose. Je ne regarde jamais les vidéos de mes détracteurs. Jamais. J'ai pas le temps pour ça. Pourquoi? Je suis pas là. Il y en a qui pensent que je suis sur eux. J'ai pas le temps. Dieu me fait écrire des livres, plusieurs livres. J'ai pas le temps. Je veux mes enfants m'occuper, tout ça, ma femme, ma famille. On n'a pas le temps. Quel temps et quel message? C'est le temps du gouvernement mondial. C'est le temps du gouvernement mondial. C'est le temps de la confusion. C'est le temps des troubles. Nous sommes à la veille, mes amis, là, du retour de Yeshua. Même pas la veille. Le Seigneur est en train de... Regardez vous-même, regardez. Moi, un groupe d'anges, je vous dis, des anges sont venus, ils m'ont donné un rouleau, ils m'ont dit, il faut le lire. Et c'est la famille, là, c'est la famille. Le Seigneur a enlevé Noé. C'était sa famille, avec sa famille, ses enfants, sa femme. Lot, avec ses filles. Vous voyez, c'est la famille. Il revient chercher sa famille. Voilà. Êtes-vous de la famille de Dieu? C'est pour ça que les vrais chrétiens sont traités de sectes, de gourous, faux prophètes. Le Seigneur a dit, vous serez tous haïs. Vous serez haïs de tous. Il n'a pas dit de quelques-uns, de tous, à cause de mon nom. Son nom est la parole de Dieu. Tant que vous accepterez de marcher avec le Seigneur, vous serez traités de tout le nom. Votre nom sera traité d'infâme, d'infamie partout. Les gens vont vous... Ça va être terrible, mais il faut vous préparer. Ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser. Je vous dis. Comment faire? Eh bien, seul nom peut nous sauver, Jésus-Christ. Le seul nom. Et ça, vous le savez. Soyez ferme. Soyez persévérant. Soyez déterminé. Sachez ce que vous voulez. Ne soyez plus comme hier, là, comme on était hier, là, on allait toujours après les prédicateurs. Vous, tu sais, frère, non, c'est fini ça, mes amis. Là. On n'a pas compris. Moi-même, là, je cherche à me sauver. Moi-même. Ne soyons pas comme on était hier, mais vous savez, ah non, lui, il est Camerounais, moi, je ne peux pas. Non. C'est quoi cette affaire-là? C'est fini, ça. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Ah non, lui, il est blanc, lui, il est portugais, lui, il est... Non, c'est fini, ça, mes amis. Là. On est chrétien, on doit s'encourager à aller de l'avant. Voilà. Plutôt disciple du Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup vont rester. L'image que j'ai là, c'est des pleurs. Des gens qui pleurent parce qu'ils sont restés. Ils sont venus trop tard. Pourquoi? Les sentiments. Compromission. Ils entendaient la vérité, ils entendaient la vérité, mais ils ne voulaient pas obéir au Seigneur. Le Seigneur n'a pas voulu pendant ces deux jours que l'on parle des dates. Vous savez, dans telle date, à telle période. Hein? Il voulait nous parler de ce gouvernement selon Luc 4, en relation avec la tentation du Seigneur. Il a refusé le Seigneur. Il a refusé le gouvernement. Notre maître a refusé. Si nous sommes ses disciples, refusons. Ne vous associez pas avec les impies pour combattre les vrais enfants de Dieu. Non. Détachez-vous. Je dormais ce matin. Pour finir, Dieu m'a donné une vision. Quelqu'un qui nous a beaucoup combattus.
Vous savez, il y a des prophéties qui étaient sorties. Le jugement a commencé. Il y a déjà deux morts. Ça fait mal, je vous assure. Je dormais ce matin et Dieu me donne une vision. Il me disait, il y a un troisième décès qui arrive. Et je voyais ce frère-là, ses intestins, on me disait ses intestins avaient pourri. Il était complètement pourri, transformé. Waouh, je me suis réveillé avec ça, le Seigneur sauve. Le Seigneur est en train de préparer son peuple. Tous les jours, je tremble. Je dis, Seigneur, mais moi, je ne voulais pas de ministère, je ne voulais pas de service. Je ne veux pas rater le ciel à cause de cela. Parce que le Maître est saint. Mes amis, faites tout pour ne pas rater le ciel. Ça serait du gâchis. Un gâchis éternel. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Tu n'es pas celui qui désire la mort du méchant. Seigneur Père, tu désires que le méchant change afin qu'il soit sauvé. Seigneur, nous voulons trembler devant toi. Nous voulons te craindre. Nous voulons t'obéir. Car la bête a reçu l'ordre pour combattre contre les saints, combattre les saints et les vaincre physiquement. Nous savons, Seigneur, selon les Écritures, que tes vrais enfants seront de plus en plus persécutés, haïs, détestés, rejetés. Il y aura des divisions dans les familles. Seigneur, donne-nous la force pour tenir. Nous voulons traverser correctement cette période difficile qui arrive sur les nations. Nous voulons retrouver le zèle. Ceux et celles qui l'ont perdu, Seigneur, qui puissent le retrouver. La première charité, le premier amour. Seigneur, notre Dieu, au nom de Yeshua, nous voulons être déterminés, nous voulons être persévérants, Père, au nom de Yeshua. Nous disons non au péché, nous rejetons le mal, nous rejetons la compromission, nous rejetons. Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur des hommes, peur de dire la vérité. Seigneur, tu nous as éclairés. Nous voulons prendre position pour la vérité et la défendre partout où tu nous enverras. Nous voulons ouvrir nos bouches et parler de ta part, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à ton royaume, Seigneur, mon Dieu, qui vient. Ton royaume, le cinquième royaume qui sera établi sur terre pendant 1000 ans. Et nous voulons régner avec toi, Seigneur, notre Dieu, comme tu nous l'as promis. Nous brisons toutes les paroles de la sorcellerie. Nous brisons, Seigneur, mon Dieu, tous les liens de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement. Seigneur, au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Ô Père, merci pour la guérison divine, merci pour la force, merci pour les armes spirituelles, merci pour ces deux soirées d'enseignement, Seigneur mon Dieu. Nous confessons ce soir encore le nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que seul Jésus-Christ est notre Dieu. Nous le confessons en ce lieu. Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Yeshua. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, au nom de Yeshua, ô Saint, le Saint. Seigneur mon Dieu, nous confessons que nous ne sommes pas de ce monde. Nous confessons que nous sommes du royaume céleste. Nous voulons suivre Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, nous refusons toutes les propositions de Satan. Nous refusons tout ce que Satan nous propose. Nous refusons tout ce qu'il nous propose, comme tu as refusé. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, que tout le plan de l'ennemi contre nos vies soit renversé, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, la victoire est dans notre camp. La victoire, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous marchons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous prions dans la victoire. Nous chantons dans la victoire. Nous confessons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Loin de nous le péché, loin de nous la peur, loin de nous, Seigneur, la faiblesse. Seigneur mon Dieu,
Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, tu as fait de nous des vainqueurs, des victorieux. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton onction est sur nous. L'onction qui brise les jougs. Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Personne ne peut nous condamner, Seigneur. Car tu nous as aimés. Personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur mon Dieu, ni la tribulation, ni la maladie, ni la mort, ni les hommes, ni les démons, ni les anges, ni personne, ni aucune créature. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Merci pour la victoire, Seigneur. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons des rouleaux. Nous voulons la vraie parole pour être purifiés, lavés, nettoyés, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia mon Dieu. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père mon Dieu. Oh alléluia, alléluia. Tu as commencé une œuvre avec nous. Papa, tu vas l'achever comme ta parole le dit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je veux raconter tes œuvres, Seigneur mon Dieu. Oh Père, oh Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions pour la Syrie, nous prions pour les Antilles, nous prions pour la France, nous prions pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour la jeunesse, pour les couples. Oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, nous intercédons ce soir, nous intercédons ce soir mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes des intercesseurs, nous sommes des prêtres, nous sommes des intercesseurs, nous sommes des combattants. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Jesus, 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 Jesus. Prions au nom de Jésus, que les murs tombent, que les murs tombent, que les forteresses tombent. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh alléluia, le Seigneur est là, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur est là, la sorcellerie est brisée, la sorcellerie est brisée, la sorcellerie est brisée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Jesus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour l'Europe. Prions pour l'Europe. Prions pour l'Europe. Prions pour l'Europe, prions pour l'Europe, prions pour l'Europe, prions au nom de Jésus. Nous sommes des prêtres, nous sommes des rois, nous régnons sur le péché. Jesus, 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 au nom de Jésus de Nazareth, nous bénissons ton nom Seigneur, nous bénissons ton nom Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom Seigneur de gloire. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Garde-nous, Papa. Garde-nous, mon Dieu. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Garde-nous, Papa. Apprenons à prier, mes frères. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua.
Thank you.